Ok, bon, on fait comme ça. Ouais, mon FBI, c'est. Pause publicitaire. Voilà. Hein? Kento. Mira. Tu as vu, non? Tu as vu, non? C'est chez Mafeu. Mafe, M-A-F-E. Le thème là, c'est chez Mafo. Ça ne décape pas. Ça ne décape pas. Ça ne laisse pas les Kento. Comme chez Kento. Chez Mafe, allez sur sa page. Si vous venez au nom de Michel et ses milliardaires ou Michel Courgelon, vous avez 15% de réduction sur toutes les gammes que vous voulez. Elle est en Belgique, c'est notre compatriote. Je suis avec elle depuis ses débuts dans les cosmétiques. D'accord? Pas le Mbrakata, pas le Javel, pas l'acide, pas les blabla clairs et les Skento, l'acide, souvent, c'est une bêtise là, comment là? Les. Non! C'est du bon! Si c'est moi qui vous dis, c'est moi qui vous dis non. C'est du bon. Je suis votre garantie. D'accord? Allez, faites un tour sur sa page. Mafe, M-A-F-E. Voilà, vous commandez. Vous aurez 15% de réduction sur toute la gamme de ces produits. D'accord? C'est parce que je ne suis pas dans la maison. Les produits sont loin. Donc, Marie la régie, on va faire un direct sur toi. On va faire un direct sur toi parce que, comme je l'ai dit, c'est toi le boa. C'est toi l'instigatrice. C'est toi l'instigatrice. Non, pas AliExpress. Pardon. Pas AliExpress. En tout cas, je sens ça sur ma peau. Même le père. Le milliardaire en chef, tous les jours, il dit que chérie, ta peau est douce. Ta peau est douce. Et ma peau est vraiment douce. Ma peau est vraiment douce. Franchement, elle est douce. C'est du bon. C'est moi qui vous dis non. C'est une compatriote. Moi, je ne suis pas dans les histoires de tribalisme là. Je ne suis pas dedans. Quand quelqu'un fait quelque chose et qui est bien, moi, j'encourage. J'encourage ce qui est bien. Voilà. Donc, elle a de très bonnes gammes. Elle a de très bonnes gammes. Franchement, je n'ai rien à dire. Donc, Marie la régie, j'ai dit, on s'en fout si elle soutient le couple ou si elle ne soutient pas le couple. C'est la bague, ce sont ces produits que j'achète. Ce sont ces produits que j'achète. Donc, peu importe. D'accord? Ce sont ces produits que j'achète. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas là dans les. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, voilà, j'achète. Donc, c'est chez elle que j'utilise. Je ne vais pas venir dire que j'utilise ailleurs alors que j'achète chez elle. Je ne suis pas comme ça. Donc, c'est soit du côté de la régio ou pas de la régio. Ce n'est pas mon problème là-bas. Chacun a ses positions sur la toile. Chacun a son petit cerveau pour réfléchir. J'achète les produits chez Mafe. Et quand je vais changer. Je viendrai aussi vous dire ici là que j'ai changé. Quand je ne vais plus trouver satisfaction, je viendrai aussi vous dire que je n'ai pas trouvé satisfaction ou alors, voilà. Et la vie continue. Mais pour le moment là, c'est chez elle que j'achète. Donc, et ça me va. Et ça me va. Donc, je ne vais pas mentir. Je dis la vérité. Ça me va. Qu'elle supporte qui elle veut, ce n'est pas mon problème. Voilà, je vois et bien, elle donne mon point de vue. Et j'achète les produits chez elle. Donc,
Oui, non, j'ai pas encore testé les produits de chez Gruta. J'ai pas encore, non. À moins qu'elle veuille me faire tester. Je teste. Mais là, pour le moment, je vous dis ce que j'utilise. Je vous dis ce que j'utilise. OK. La pause publicitaire est passée. On ne parle plus des produits de beauté. Là, on parle de Marie la Régie. Donc, Marie la Régie, moi, je suis derrière toi. Les Bafana Bafana, Dedeya, du deuxième pont, vont venir témoigner ici. Bonjour, Baboura, joyeux Noël. Vont venir témoigner ici. Merci. On en a déjà deux. On a déjà deux témoignages. Donc, on va lancer un direct spécial. On fait un dernier tour de partage pour que ça arrive chez elle. Qu'elle sache qu'elle n'est plus cachée. Elle n'est plus cachée. Voilà. On va fouiller vos intestins. On va fouiller dans vos culs. Comme c'est ce que vous voulez. Vous ne voulez pas arrêter vos chiens de chasse là. Vous ne voulez pas les arrêter. Vous, les femmes mariées là. Tempteur est de l'autre côté, la belle anglaise, de parler les tonneaux par les corneaux par les tonneaux, son machin de mari à côté. Quand vous ne voulez pas arrêter vos maris là, nous, on va vous aider à les traiter. On va vous aider à les sensibiliser. On va vous aider à les discipliner ici là sur la toile. Maintenant, le mari de quelqu'un qui vient sur la toile et manque de respect à une femme comme moi, une femme qui s'accroupit comme moi, je sors, je le clash. Je l'insulte propre parce que les vrais hommes qui ont les vrais testicules ne se pavanent pas sur les réseaux sociaux à insulter les femmes en longueur de journée, à lyncher les femmes en longueur de journée. Donc le mari de quelqu'un qui va encore prendre sa caméra et insulter une femme, je vais sortir, je vais l'insulter. Donc vous qui avez vos maris sur la toile là, à ce pavané qui sont là, l'autre qui a la prostate molle, l'autre qui a le diabète, au lieu de rester tranquille et de soigner son diabète, il ne soigne pas son diabète. Au lieu de prendre ses médicaments pour soigner son diabète, il ne prend pas son diabète au sérieux. Il est là avec les cheveux blancs en haut, les cheveux blancs en bas, venu se comporter comme un gamin de 15 ans sur la toile, à se pavaner sur la toile comme un enfant, à recruter les pauvres personnes sans cervelle et sans personnalité qui l'ont insulté hier, insulté sa femme de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, il les paye, il leur offre des cadeaux pour venir lyncher les sœurs sur la toile, pour venir insulter les femmes. J'ai dit le mari de quelqu'un qui va encore prendre sa caméra et insulter une femme ici. Moi, Michel Courgelong, je vais sortir. Je ne vais même pas m'adresser à vous, les femmes. Ou alors, c'est vous, les femmes, là, que je vais laver copieusement. Et je vais aussi laver vos maris. Graissez vos maris dans vos maisons. Graissez vos maris, mesdames. Ce n'est pas seulement que, oh, comme on en lourane, oh, dangereusement mariée, oh, je suis mariée. La vraie femme aussi, c'est celle qui graisse son mari. La vraie femme là, ce n'est pas seulement faire tourner le piment. Ce n'est pas seulement mélanger les condiments à la cuisine et faire les enfants. Et donner les positions. Bonjour Marie-Mireille Job. Ma nouvelle quota. J'espère que tu vas bien. La femme, ce n'est pas seulement cuisiner. Tourner le piment. Et le vrai piment et le faux piment. La vraie femme aussi, c'est de dire à son mari que tu vas loin. Tu es en train d'aller loin. Arrêtons ça. Arrêtons le carnage. C'est aussi ça, la femme. Mais toi, mari de la régie, tu te plais. C'est-à-dire que tu te masturbes seulement quand ton mari est en train de laver les autres femmes. Ou pendant ce temps que tu es en train de te masturber, je ne sais pas.
Parce qu'on a vu, ça me dit, de temps en temps, ton mari partait derrière où il venait te caresser. Oh. Pendant qu'il est en train d'insulter ici, il vient derrière le panneau où il te caressait derrière le panneau là-bas. C'est vous ceux qui savez ce que vous faisiez derrière le panneau. Donc moi, je sors pour venir défendre les femmes qui sont lynchées sur la toile. Je suis venue les défendre contre ton mari. Contre ton mari. Contre le mari de Kento. Contre du Cambindo. Contre du Cambindo. Contre tous les hommes qui insultent les femmes en longueur de journée sur les réseaux sociaux. Oubliant d'où vous venez. Toi là, ancien star de Bafana Bafana. Ton mari a oublié d'où tu viens? Ton mari a oublié d'où tu viens? Ton mari a oublié ton lourd passé? Il a oublié ton lourd passé? On va aller le ressusciter. On va aller le ressusciter. Quand on vous dit que non, restez tranquille, éteignez ce problème, laissez le problème passer. Non! Vous venez sur la toile, vous venez mettre les voices. Venez mettre les voices pour manipuler l'opinion, pour manipuler les followers. Shame. On va les ressusciter. Les Bafana Bafana, elles ont décidé qu'elles en ont marre de ce que ton mari et toi faites sur les réseaux. Elles vont venir parler de ton loup parcours. Elles vont venir parler de ton lourd passé. C'est de ça qu'il s'agit. Et les lèchements, oh, et les quoi, oh, tout ça là, on a ça ici. On a ça. On a ça. Là où tu lèches, on a ça. Continuez. Continuez. Dis à ton mari de continuer, hein, maman. Il est sur le bon chemin. Et vous qui venez souvent dans mon inbox là, me dites que non, Michel, n'expose pas. Ne venez plus, hein. Ne venez plus. Parce que quand il fait la personne, ne pas lui dire là-bas d'arrêter d'insulter les fesses des femmes ici là. Personne. Donc moi, contre ce genre de personnage là, je suis sans foi ni loi. Quand j'ai la moindre de tes informations, là, non, je dégaine. Je dégaine. Je ne suis pas là dans... ils vont s'arranger demain. Ils vont aller s'arranger demain. J'aurais déjà dit... Bon, mes gens... Bonsoir Jessica. Bonsoir Jessica. Demande à ton mari d'arrêter le carnage. Demande à ton mari d'arrêter le carnage. Sinon, je te promets que c'est toi qui vas payer. C'est toi qui vas payer. Parce que moi, je serai avec toi. Comme ton mari allait recruter, non. Il a recruté. Moi, personne ne me recrute. Parce que personne ne me commande. Mais je sors et je soutiens qui je veux. Donc, ce que j'ai là, c'est du lourd. Du très, très lourd. Je n'ai rien demandé. Hein. Je ne te connaissais pas avant. C'est venu me trouver là. Ça montre et ça prouve que vous faites mal sur la toile.
des vieux et vieilles. Des vieux et vieilles. Regarde le comportement que tu avais hier à la remise des cadeaux. Regarde ce que tu as remis. Regarde ce que tu as remis à ta petite fille. Regarde ce que tu as donné à tes enfants. En direct. En direct. Clarisse, on ne sait jamais. Hein? Peuvent s'arranger. Peuvent s'arranger. C'est ça la toile, non? C'est ça la toile. Les ennemis d'hier qui se sont mangés comme ça là, ici, là, sur la toile. Vous faites même ça comment en fait? Moi, je ne comprends pas. Hein? Vous faites même ça comment? Monsieur de la régie. Monsieur de la régie, vous faites même ça comment? Quelqu'un qui t'a lavé, insulté ta femme. T'as dit, je ne sais pas là où c'est dessus, où c'est de sirène, où c'est de. Quand elle a insulté ta femme et toi, hey! Voilà. Je dis, vous faites même ça comment? On peut manquer de personnalité comme ça. C'est toujours le aide-moi à détester là. Vous êtes toujours dans le aide-moi à détester. Juste à ce que celle-là qu'on appelle Vicky, elle aussi elle vient faire un loup post. Facebook. Voilà, mais j'ai mettez les cœurs. Mettez les cœurs, joyeux Noël à tout le monde. Celle qu'on appelle Vicky là. Elle aussi, elle vient faire un loup post. Que je demande les excuses. Je demande les excuses à tous ceux que j'ai offensés. Attendez, la capture d'écran là. Je vais vous lire le post de Vicky. Et on dit que la sorcellerie n'existe pas. On dit que la sorcellerie n'existe pas dans votre histoire si. Hé, hey, mamie, c'est même où? Hey! Bonsoir tout le monde. Je me repose. Je me repose toujours. Pas de live pour le moment. Bonjour ma fille Clotilde Clotandolembab, j'espère que tu vas bien. Ah ok, joyeux Noël à vous là-bas. Bonsoir tout le monde, je me repose toujours, pas de live pour le moment. Je demande déjà pardon à tout le monde que j'ai insulté sur Meta. Lolo, Mbappa, Reven Biaï, la reine mère bio, Dekoma Mugu. Et la veuve joyeuse. Achille Dicolo. Mais... Hey, Vicky, tu m'as insulté, non? Je t'avais rien fait. Tu m'as insulté. Je ne t'avais rien fait. Tu as insulté Edith. Edith ne t'avait rien fait. Donc nous aussi, au calme, on attend tes excuses. Edith et moi, ma petite sœur, que j'aime de tout mon cœur, et moi, on attend aussi tes excuses. Parce que tu nous as insultés. Quand vous avez des mémoires sélectives là, moi-même tu m'insultes, chose. Donc j'ai droit à tes excuses. J'ai droit à tes excuses. Donc il faut sauf venir que me demander des excuses.
Parce que si tu poses ta caméra, tu vas seulement aller leur demander des excuses là en soum-soum, en sous-marinage, dans les inbox. Mais si tu poses ta caméra, tu leur demandes des excuses au public. Je t'affiche et j'affiche ton mari, j'affiche ta mère, j'affiche ta petite soeur. En bon entendeur, salut. J'ai dit, tu vas seulement aller leur demander les excuses là, en soum-soum. Parce que tu m'as insulté. Tu as insulté Edith Kamdoum. Oui. Donc tu nous dois des excuses. Tu nous dois des excuses. Tu poses ta caméra. On va me dire que tu la menaces. Oui, je te menace. Je te menace. Je te menace, Vicky. Tu poses ta caméra. Tu demandes des excuses officielles à Mondovision. Tu ne viens pas me demander des excuses. Tu ne demandes pas des excuses à Edith. J'affiche toute ta famille. J'ai dit j'affiche toute ta famille. Je t'affiche jusqu'à là où tu as le camion. Et je ne blague pas. Et je ne blague pas. Sorcière. Quel repos? Quel repos? Tu avais déjà fait un poste? Tu avais déjà fait un poste comme quoi? Tu te reposes. Ça là, c'est pas un repos. Ça, c'est pas un repos. Ce poste là, ce n'est pas que tu es en repos. Tu n'es pas en repos. Tu es en plein boulot. Tu es en plein boulot. Tu es en plein boulot. Elle est une vendeuse de piment Pro Max avec sa mère. Elle vend le piment avec sa mère et son homme le sait. Elle vient insulter les maris des autres qui sont les gigolos. Toi-même, ton gigolo que tu nourris dans la maison, j'ai dit, pose ta caméra, viens demander des excuses là. Viens demander des excuses là, sans demander à moi, sans demander à Edith. Vous allez m'entendre. Vicky! Vicky, c'est ton nom. Michelin et Sola. Alias Vicky, c'est ton nom. C'est ton prénom en tout cas. Même ton nom de famille, je l'ai. Même ton nom de famille, je l'ai. Je t'ai dit. Que mon FBI marche avec ta petite sœur qui ne parle pas avec ta mère. Vendeuse de piment à TikTok en live. Vendeuse de piment. Tu n'as pas encore restreint ta page TikTok. Tu vas restreindre sa propre jusqu'à tu vas même dès que tu vas même l'annuler ton compte TikTok. Tu vas l'annuler.
Parce que nous, on va seulement ancrer. Tu peux restreindre comme tu veux. Tu vas restreindre comme tu veux. Nous, on va seulement arriver là-bas. Nous, on va seulement arriver. Quand vous n'avez pas honte de la sorcellerie en plein jour, là. Vous n'avez pas honte. Ta soeur a dit de l'autre côté que en 2024, elle ne va plus gérer Maliba. 2024, c'est dans une semaine. On attend. Des immeubles de piment. Des immeubles de piment. J'ai dit, hein, viens me demander des excuses. Elle vend le piment en direct sur TikTok. Et c'est sa propre sœur Kento qui nous avait donné les infos. Et nous sommes allés. Et nous sommes allés. On a prouvé. On a prouvé. Moi-même, j'ai droit aux excuses. Tu m'as insulté pour rien. Tu as insulté Edith Kamdoum pour rien. Donc, quand tu vas demander des excuses à la reine mère bio, à Mbappa, à Rêve Mbiaye, à Lolo, à Dekoma Mougou, à la Veuve Joyeuse, à Achille Dikolo, dans la liste là, tu ajoutes Michel Courrèges-Longue et Edith Kamdoum. Ça va, Jessica? Ça va très bien. Tu ajoutes à ces listes-là. Manipulatrice, sorcière, vampire, charlatan, Belzébuth, vendeuse de piments sur TikTok Pro Max, Marie Gigolo. Marie Gigolo. Pro Max. Le pauvre. J'ai dit, les maris là, ils vont seulement prendre balle perdue. Voilà pour moi aussi, prenez la caméra, vous le lavez bien. Parce que quand vous ne voulez pas vous comporter là, on va s'insulter. On va descendre à votre niveau. Voilà pour moi ici. Vous pouvez insulter. Il ne va même pas d'abord vous écouter. Ce sont vos maris qui se pavanent sur la table. Ce sont vos maris qui se pavanent sur la toile. Pour moi, là, vous allez finir de l'insulter. Il ne sait même pas par où commencer. Il ne sait même pas comment on fait pour télécharger, pour rien. Je sais, Clotilde, laisse d'abord. Papa, ma fille, ma fille, ma fille, Clotilde. Laisse. On attend les excuses là. On attend les excuses. On est assis par terre. Et ça ne chauffe pas. L'amitié n'est pas forcée. Il y a Magma. Quand ça n'allait plus là, Magma est parti. Swing. Maman est partie. Elle n'a pas tapé le tambour. Elle n'a pas tapé le dicalo. Que je m'en vais, oh, je m'en vais. Maman est partie. On a seulement constaté qu'elle était partie. Pour vous, là, c'est quoi? Pour vous, là, votre qualité, là, c'est comment? Hein? Votre qualité là, c'est quoi? Vous les anciens Tinda de compresseur là. Vous les anciens Rupero de compresseur là. C'est quoi? C'est quoi avec vous? C'est quoi? Hein? On peut pleurer l'amour d'une autre femme comme ça? Une femme que vous dites que oh, elle n'est
lire. Elle ne sait pas écrire. Elle mange des ailes de poulet. Elle est mendiante. Elle est ceci. Elle a mari gigolo. Elle a machin. Mais les pleurs du mbolé sur la toile. Les pleurs du mbolé. Elle a dit zéro réconciliation. Allez, bête et à la merde. Tu as appelé sa copine, non? Tu as appelé sa copine? Sa copine est venue en direct, elle nous a dit ça en direct. Je vais sauf que l'affiché est passé. Je vais sauf que l'affiché. C'est par là-bas que je pars. Oui. Toute personne qui intervient dans le problème là et que j'ai ces news, je viens pose là. J'ai dit, pour le problème si là, je suis compresseur. Merci Anis Coco. Pour ce problème-ci, je suis compresseur. Je défends compresseur. Donc, tous ceux qui sont en train d'insulter compresseur là, à partir d'aujourd'hui, là, je charge le problème. Ce problème-là, je le charge. Et j'ai tes infos. Je viens, je t'affiche. Oui. Je viens, je t'affiche. On ne peut pas harceler. On ne peut pas harceler quelqu'un comme ça. On ne peut pas vouloir pourrir la vie de quelqu'un comme ça. Non. Il faut passer. Ça ne va plus. Tu passes. Moi-même, là, j'ai coupé les ponts avec une. Elle a pleuré, fatiguée. Elle a dit que maman, pardon, il faut partir. Nos routes là, ça fait 6 ans, 7 ans, nous sommes ensemble, mais ici là, nos routes se séparent. Personne ne tape le dicalo. Chacun a pris sa route. Chacun a pris sa route. Pour vous là, c'est comment? Pour vous là, c'est comment? Bon, mes gens, on va faire un direct en semaine. On va faire un direct des Bafana Bafana. Et ça ne chauffe pas. D'accord? Voilà. On va faire un direct. Passez un très bon Noël, d'accord? Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il bénisse tous vos projets les plus enfouis de vos cœurs, d'accord? Qu'il bénisse chaque membre de vos familles en cette fin d'année 2023, d'accord? Qu'il vous donne la santé. Surtout, surtout, surtout la santé. Qui vous donne la santé. Parce que quand on a la santé, le reste n'est que superflu. D'accord? Et la fête de Noël, c'est pas que le manger et le boire. C'est pas que les beaux vêtements. C'est pas que les cadeaux. La fête de Noël, là, c'est pas que les cadeaux. C'est pas les jolies tables. Non. La fête de Noël, c'est l'occasion pour nous de laver nos cœurs. Parce que Jésus-Christ vient naître. Et nous devons naître de nouvelles personnes avec Jésus-Christ. Nous qui fêtons la fête de Noël. D'accord? Lavons nos cœurs. Arrêtons que, oh, j'ai les jolies tables. Oh, les gens ont copié les tables. Non, 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 non. C'est dans le cœur. Jolie table là doit aussi correspondre avec joli cœur. Jolie table de Noël
doit correspondre avec joli cœur. Oui. Vous avez les jolies tables, mais vos cœurs sont noirs comme le kunta. Vos cœurs sont noirs comme le kunta. Jolie table là, joli vêtement de Noël là, jolie coiffure de Noël là, doit correspondre avec joli cœur. Laissons-les-vous. Laissons-les-vous. Nous sommes des sorciers là sur la toile. Lavons nos cœurs. Laisse-moi que, oh ma femme, tu es une impacteuse parce que les gens copient tes jolies tables. Hé! Il faudrait qu'on copie aussi son joli cœur. Oui, on a copié la jolie table. Maintenant, on a envie de copier le joli cœur. Michel, moi, j'ai envie de copier le joli cœur. J'ai envie de copier le joli cœur. Laisse-moi que jolie table, là, on s'en bat les couilles. Les jolies tables, là, on voit ça sur dans les magazines tous les jours, les magazines de décoration, là. Les publicités dans ma boîte aux lettres. Tous les jours, on voit les jolies tables. On a envie d'avoir affaire aux jolis cœurs. On veut les jolis cœurs maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, joyeux Noël à vous. Je suis Michel Courrèges-Longue, alias Michou la milliardaire. Joyeux Noël. Bisous à vous là-bas.